Bonjour à tous, nous sommes sur la chaîne Glory Dev. Aujourd'hui, je me retrouve à Terraz, non pas pour regarder le paysage, parce qu'il est magnifique, mais pour interviewer Jérôme Stéphanie, gérant de DRH66. Bonjour Jérôme. Salut Laurent. C'est un plaisir de t'accueillir, ou plutôt, c'est un plaisir de squatter ta demeure pour t'interviewer. Ouais, je vois que tu te sens bien chez nous. Je comprends, oui, tout à fait. Hein. Vous ne le voyez pas, chers auditeurs, mais il m'a bien reçu. Il y a des biscuits, il y a tout un tas de choses. Et aujourd'hui, on va parler d'un domaine assez particulier, le recrutement. Nous allons parler du recrutement aujourd'hui, un domaine passionnant, un domaine vaste, mais aussi un domaine qui demande un petit peu d'analyse et un petit peu de perspective, un petit peu de recul. J'ai fait appel à Jérôme aujourd'hui pour en fait avoir son retour d'expérience, pour pouvoir en fait vous expliquer en fait comment se passe un recrutement, quelles sont les choses à faire, ne pas faire, et surtout à dédramatiser le recrutement, parce que n'oublions pas une chose, le recrutement, c'est un échange de bons procédés en principe. Et puis c'est des humains qu'il y a derrière. Exactement. Et c'est pas parce qu'on parle de ressources humaines que l'humain n'a pas sa place dans le recrutement. Au contraire, l'humain a une grande place. Et donc je vais débuter par une question. Tout d'abord, Jérôme, as-tu une procédure prédéfinie quand tu recrutes pour le compte d'un client ? Oui et non. Oui, parce que il faut mettre en place des process pour pouvoir réussir à trouver, à faire matcher entre les besoins de mon client et trouver le candidat idéal. Et non aussi parce que chaque entreprise a ses particularités. Je dirais, si j'ai une procédure, c'est d'abord apprendre à connaître mon client, savoir qui il est, d'où il vient, quel est son objectif, et surtout quelle est sa culture d'entreprise. Parce que pour moi, trouver une compétence, c'est très simple, mais trouver un humain qui colle à l'entreprise, à mon client, c'est quelque chose qui est complètement différent. Donc, si je comprends bien, donc tu t'appuies en fait sur les besoins en fait de l'entreprise au départ, mmh. Et en fait tu remontes vers le candidat en question, et donc tu essayes de déterminer quelle est la personnalité peut-être qui est la plus adéquate pour travailler avec l'entreprise. C'est exactement ça, puisque aujourd'hui, on entend beaucoup parler des soft skills et des hard skills. Mmh. Les soft skills que, depuis toujours, on a appelé ça en France le savoir-être. Et les hard skills, c'est le savoir-faire. Je ne sais pas pourquoi on met des termes anglais, mais bon, après, c'est la mode, c'est pour faire sympa. Mais le plus important reste quand même le savoir-être. Puisque un savoir-faire, lui, va pouvoir s'apprendre. On peut faire une formation et on peut apprendre tout. Nous les humains, on a des capacités d'apprentissage qui sont énormes. Et à part quelques personnes qui ont des limites, des capacités limitées, mais 99% des personnes sont en capacité d'apprendre un métier. Par contre, un savoir-être, les fameux soft skills, qui je suis, quelle est ma façon de me comporter, pour que ça matche avec l'entreprise, c'est des choses qui ne s'apprennent pas. On peut parfois jouer un jeu pendant la période pendant la phase de recrutement pour essayer de se faire embaucher, mais la période d'essai est là aussi pour pouvoir déceler ce genre de choses, mais le plus important, c'est le savoir-être et avoir une vision des choses qui correspondent à l'entreprise. Voilà, c'est cette alchimie-là qui est la plus difficile à trouver. Et c'est là où nous, les recruteurs,
Et ben, je peux vous dire, des fois on galère. Parce que trouver quelqu'un qui a certains critères, je vous donnais un exemple, il y a des entreprises où il y a du stress permanent parce que le métier fait qu'on est tout le temps dans l'urgence. Tout ce qui se fait dans ce type d'entreprise peut se faire par quelqu'un qui est très calme. Sauf que si on a besoin de quelqu'un de speed, eh ben, le calme il va pas passer, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc je pense que le plus important, c'est d'arriver à déceler le savoir-être de la personne en allant au-delà du stress qu'il peut y avoir pendant l'entretien, parce qu'il y a quand même un stress qui est énorme. Autant, alors le candidat, c'est sûr, lui, il est stressé. Mais je peux vous dire que nous aussi, les recruteurs, on est stressé parce qu'on cherche à trouver la bonne personne. Parce que les conséquences qu'il peut y avoir derrière, moi je suis recruteur indépendant, donc je peux perdre mon client. À la limite, c'est pas grave, des clients il y en a plein. Mais par contre, le chef d'entreprise, si lui il trouve pas la bonne personne, ça peut lui faire couler sa boîte. Si c'est son seul salarié par exemple. Donc pour le chef d'entreprise aussi, c'est un stress énorme. Sauf que là, sa fierté de chef d'entreprise, il vous le montrera pas. D'accord. Du coup, si on reprend ton process pour recruter Jérôme, est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous décortiquer chaque étape en nous expliquant le but de la démarche? Alors, donc, la première étape, je pense que vous l'avez déjà compris, c'est connaître son client, quels sont son besoin, ses attentes, fixer des critères minimaux à avoir. Et est-ce que ce client-là est capable d'entendre que quelqu'un n'a pas forcément une compétence technique, mais par contre, comme il a son savoir-être, est-ce qu'il est OK pour mettre en place un plan de formation? Donc ça, c'est la première étape. D'accord? Une fois qu'on a décortiqué tout ça, on va procéder de la manière suivante, c'est-à-dire que je vais commencer déjà par demander à mon client, elle est où la fameuse pile de CV que vous gardez tous au fond de vos tiroirs? Parce que souvent, les compétences ou les personnes qui cherchent, ils les ont déjà dans leur candidature spontanée qu'ils ont reçue pendant des années et qu'ils n'ont jamais traité. Ensuite, moi je fais partie de différents réseaux, notamment celui dans lequel on est tous les deux, par exemple FAS Pays Catalan. On va aller consulter les banques de CV qu'on a à notre disposition, ces banques-là. Ensuite, si on n'a toujours rien, enfin, des fois on a, mais pas suffisamment, parce qu'il faut quand même pouvoir comparer avec plusieurs personnes, on continue, on va aller contacter Pôle emploi, qui ont la banque de CV de tous les demandeurs d'emploi. Donc très intéressant. Et une fois qu'on a fait tout ça, si on n'a rien, c'est pour ça qu'il faut être actif dans sa démarche de chercheur d'emploi, parce que c'est qu'une fois qu'on a fait ça et qu'on n'a pas suffisamment de matière pour pouvoir enclencher les entretiens, on va créer une offre d'emploi. Seulement cette partie-là. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de ce qu'on appelle le marché caché de l'emploi. Le marché caché de l'emploi, en fait, c'est ça. Parce que ça, c'est cette première partie là que je viens de t'expliquer, c'est ce qui nous fait gagner énormément de temps. Parce que nous, on a déjà tout qui est répertorié avec toutes les compétences. Donc ça nous fait gagner du temps. On n'a rien à ce moment-là, on passe à l'étape de l'annonce, on reçoit les candidatures. Et à ce moment-là, il y a plusieurs façons de faire. Vous avez les entreprises qui ont les moyens et qui vont financer un logiciel pour relire les candidatures. Ce logiciel-là, une fois qu'il est paramétré, va vous sortir uniquement les CV et des personnes qui correspondent aux critères qui ont été définis dans ce logiciel. Ensuite, vous avez des entreprises comme moi qui travaillent à l'ancienne. Je prends candidature par candidature et je les étudie toutes une à une. D'accord ?
Et d'autant plus que suivant le type de poste qui est demandé, on peut avoir une quantité énorme de candidatures. Donc il faut être réactif. Exemple, j'ai recruté par exemple une assistante qualité. Ça m'a pris presque 9 mois pour trouver le bon candidat. Pourquoi? Parce que les candidatures ne correspondaient pas à ce que je cherchais et on a dû relancer plusieurs fois l'annonce. À l'extrême opposé, j'ai voulu recruter une secrétaire. En 24 heures, j'ai eu 200 candidatures. Donc 200 candidatures en 24 heures, forcément, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté l'annonce. Parce que dans les 200, il y a forcément des gens qui sont compétents dedans. On a de tout. Et donc, on fait le tri de tout ça. Et à ce moment-là, on passe à l'étape suivante. On va convoquer nos candidats. On va faire pour nos clients ce qu'on appelle la top list. C'est-à-dire qu'on va présenter aux candidats entre 3 et 5 candidats maximum qu'on a estimé être les plus à même d'intégrer l'entreprise, de par son savoir-être, et en mixant aussi la partie compétence, parce que comme il faut pour avoir un minimum, et c'est après le client qui décidera si qui c'est qui recrute au final. Voilà la procédure. Merci Jérôme pour ces explications. Du coup, je me pose une question quand même. Est-ce que tu as des outils qui t'aident en fait à faire tout ça? Alors, moi, je travaille un peu à l'ancienne, d'accord? Donc, j'ai pas de logiciel exprès pour ça. Peut-être que dans le futur, j'en prendrai un. Mais en tout cas, comme je te l'ai dit en expliquant la procédure, il y a des entreprises qui ont des outils où ils vont pouvoir classer les CV et ça va les faire ressortir de suite. Moi, j'ai un système classique, c'est-à-dire j'ai un dossier où je classe les CV que je reçois en fonction des types de postes. Et le jour où j'ai besoin, je clique juste sur mon dossier et j'ai ma liste de CV. Et bien sûr, je sors les candidats qui ont trouvé un emploi entre-temps. J'ai une petite question. Les CV, ils sont stockés, donc archivés. Ils sont gardés un certain nombre de temps par les employeurs. Alors oui, lorsque vous... Alors oui, parce que normalement, un employeur n'est pas censé garder votre CV au-delà du temps nécessaire au recrutement. Lorsque vous êtes recruté par une société comme la mienne, dans l'accusé de réception de votre candidature, on indique que, sauf à demande contraire, on conserve votre CV pendant un an. Et au bout d'un an, la plupart du temps, moi ce que je fais, c'est que je renvoie un mail pour demander est-ce que vous êtes toujours à la recherche, est-ce que vous voulez que je garde votre CV au cas où, si j'ai quelque chose. La loi nous dit qu'on est censé les garder maximum un an, sauf avis contraire du candidat. D'accord. Pour respecter ce fameux RGPD, RGPD. exactement. D'accord. As-tu des liens à nous donner pour les demandeurs d'emploi afin de se préparer convenablement à un entretien? N'oubliez pas, chers auditeurs, chers demandeurs d'emploi, qu'un entretien doit toujours être préparé. Jérôme va nous expliquer. Oh que oui, il faut le préparer. Les liens. Déjà, les liens. Le plus simple, c'est vous avez Pôle emploi. Alors, Pôle emploi, qui déjà, pour pouvoir accéder aux annonces, hein, mais pour aller au-delà des annonces, souvent, en bas de l'annonce, il y a le lien qui va aller sur la fiche entreprise. Et sur la fiche entreprise, vous pouvez découvrir le site internet de l'entreprise qui va recruter, découvrir combien ils ont d'employés, qui s'occupe du recrutement. Tout ça, c'est des notions qui sont très importantes. Ensuite, il faut aller, bien sûr, sur les sites internet des entreprises qui recrutent. Lorsque vous candidatez pour Glorydev, par exemple,
Eh ben, il serait intéressant de connaître les valeurs de l'entreprise GloryDev. Hein, si on veut venir chez toi, il vaut mieux avoir certaines valeurs. Enfin, je pense, puisque nous, on se connaît plutôt bien. Je sais que chez toi, t'as des valeurs profondes qui sont très importantes pour toi et tu recruteras pas quelqu'un qui est en opposition avec ces valeurs. Donc, déjà, vérifier est-ce que les valeurs de l'entreprise chez qui je postule, elles correspondent aux miennes. Et d'autant plus que c'est intéressant parce que pour ne serait-ce que avant l'entretien, déjà pour postuler, de faire ressortir ces valeurs-là, déjà c'est vous avez tout gagné. Mais après le jour de l'entretien, montrez que vous avez les mêmes valeurs que l'entreprise pour laquelle vous souhaitez être recruté. Ça c'est hyper important. Quelquefois on passe par des prestataires comme moi, on sait pas tout ça. C'est pas grave. Dans l'offre d'emploi, la plupart du temps, il y a indiqué les valeurs qui sont demandées au candidat, d'accord? Et n'empêche aussi de demander directement au recruteur, oui, mais vous recrutez pour quelle entreprise? Ou quel type d'entreprise? Parce que des fois, il ne peut pas vous dire quelle entreprise tout de suite, mais ils peuvent vous dire quel type d'entreprise, et rien que ça vous permet d'avoir quelques billes. Ensuite, aussi, préparer son entretien. Moi, je conseille la lecture d'un livre. Alors, je me rappelle jamais le nom, mais c'était un peu du genre, on n'a jamais deux fois la chance de faire une bonne première impression. Ah oui, ça y est, je me rappelle. C'est les 5 minutes qui comptent en entretien. Donc, c'est un livre hyper intéressant qui vous explique plein de choses sur la façon dont il faut se présenter. Vous avez la possibilité de vous déplacer un petit peu avant. Moi, c'était ce que je faisais lorsque j'étais demandeur d'emploi, puisque moi, j'ai quasiment jamais connu le chômage, puisque à chaque fois que j'ai voulu postuler quelque part, j'avais ce petit truc, c'était j'allais 2 3 jours avant mon entretien d'embauche. Avec ma voiture, j'ai passé 2 3 fois devant l'entreprise et je regardais comment les gens étaient habillés. Et le dress code, parce que souvent on l'oublie ce fameux dress code. Et le truc, c'était, je vous donnais un exemple d'un recrutement qui m'est arrivé qui m'a fait halluciner, c'est-à-dire que je suis allé et j'ai pour un poste de DRH. Et j'ai vu que dans cette entreprise-là, il n'y avait personne qui avait de costume. Ils étaient tous en polo, pantalon classique, polo et basket. Qu'est-ce que j'ai fait? Et le jour de l'entretien, ben, j'y suis allé en polo et en basket. Et il se trouve, hein, croyez-le ou non, mais ce jour-là, j'avais choisi un polo rose et un pantalon beige. Et le recruteur, en face de moi, il avait un polo rose et un pantalon beige. Alors, le hasard complet, presque on aurait dit que je l'ai espionné lui directement, mais non, c'était le pur hasard. Mais en tout cas, ça a créé de suite une symbiose qui a fait que ça s'est bien passé. Après, bien sûr, si on ne peut pas accéder, parce qu'il y a des fois des zones où on ne peut pas accéder. Je pense par exemple dans la zone Saint-Charles International où c'est fermé avec des barrières et aller dire au gardien, je voudrais juste regarder devant pour voir comment ils sont habillés pour mon entretien d'embauche. Il va se poser des questions, je ne suis pas sûr qu'il vous laisse rentrer. Mais ce genre d'endroit, habillez-vous en fonction du code vestimentaire, par exemple, de la fonction que vous voulez être. Mettez pas une cravate si vous postulez pour un poste de chariste. Vous avez compris qu'il faut ce petit plus en fait. Des fois, il faut pas grand-chose pour créer un lien, pour créer ce qu'on appelle le feeling et qui fait toute la différence lors d'un entretien. Du coup, j'ai une question. Il y a une pratique qui existe et qui s'est répandue rapidement, qui s'appelle le sourcing. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Et aussi, est-ce que tu utilises
des outils en particulier par rapport à cela? Alors, le sourcing, c'est une technique qui permet d'avoir des CV en avance. Je vous ai dit, expliquer la partie qui nous fait gagner du temps pour nous, les recruteurs. Parce que le chef d'entreprise aussi, il est pressé. Quand il vous demande un recrutement, c'est parce qu'il a besoin de quelqu'un la veille. D'accord ? Donc, on est obligé de faire ce qu'on appelle du sourcing, c'est-à-dire avoir un vivier de candidature en avance. Il y a des techniques, les techniques de base, c'est collecter l'ensemble des CV de candidatures spontanées qu'on peut avoir. Ça, c'est une première partie. Mais ensuite, il y a toute la partie numérique. On a se connecté sur les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn, Viadeo, même si Viadeo, il est un petit peu en train de mourir. Hein. C'est le LinkedIn français qui malheureusement, est en train de mourir. Mais ça marche encore. Il faut quand même y aller, parce qu'il y a des entreprises qui sont que sur Viadeo et pas sur LinkedIn. Quand bien même... La plupart sont passés sur LinkedIn. Et donc, suivant les sociétés de recrutement, ils ont des comptes qui s'appellent Premium. Il suffit de taper quelques mots-clés sur LinkedIn et ça va nous sortir des potentiels candidats en recherche ou non d'emploi. Et à ce moment-là, on va pouvoir les contacter en direct. Et c'est ça le sourcing, c'est quand tu vas contacter des personnes en direct sans forcément qu'ils aient postulé pour cette offre d'emploi. D'accord, merci pour ces précisions. Donc, une question très importante. Quand un candidat se présente à toi, pour toi, quelle est la meilleure attitude pour qu'il ait une chance de pouvoir être reçu, de pouvoir être recruté? L'honnêteté. Alors, on est dans un monde où, avec les réseaux sociaux, où on se fabrique des images, on se fabrique plein de choses. Et c'est vraiment l'honnêteté le plus important. Alors, je reviens toujours au même truc. Hein. C'est ce qui fonctionne, c'est justement le fait qu'il y ait cette alchimie entre le savoir-être de la personne et le savoir-être du recruteur. C'est cette alchimie là qui va vraiment faire la différence. Donc, être honnête, ne pas jouer. On est stressé, on peut le dire. Excusez-moi, mais là, je suis tout stressé. Le recruteur, s'il est bienveillant, il va prendre le temps, il va vous servir un verre d'eau, il va vous dire, c'est pas grave, on se calme. Je vais vous redonner ce fameux exemple du recrutement. Je dis ce fameux exemple parce que j'en ai parlé très brièvement sur le recrutement où j'ai eu du mal à recruter. J'ai recruté pour quelqu'un qui avait besoin de personnel qui résistait au stress. D'accord? Du coup, ce jour-là, j'ai fait une technique d'entretien d'embauche pour mettre les personnes en situation de stress et pour voir comment ils réagissaient par rapport à ça. C'est-à-dire que les personnes rentraient dans mon bureau, ils savaient même pas qui j'étais. J'ai juste dit bonjour, oui, je suis monsieur Stéphanie, asseyez-vous. Et maintenant, on va commencer par 10 minutes d'un test à l'écrit et je vous donne une feuille et un stylo. Alors, le test, c'était quelque chose de très simple, d'accord? Sauf que, dit comme ça, vous avez en face de vous quelqu'un, vous ne savez pas, est-ce que c'est le recruteur final? Est-ce que c'est quelqu'un qui est là pour nous tester? Donc vous êtes... Et en plus, il vous fait un test, le gars. Alors, je peux vous dire, il y en a certains, ils se sont complètement décomposés. Il n'empêche que ça ne nous a pas empêché de recruter des gens qui ont loupé ce fameux test, parce que c'est un test basique, hein, c'est faire du classement alphabétique, c'est faire 3 plus 4 plus 2, voilà, c'est des petites additions, des choses très simples. Sauf que, en situation de stress, on peut complètement passer à côté.
Et ça ne nous a pas empêché de recruter des gens qui ont loupé cette partie test. Mais après, justement, parce que c'est des personnes qui ont été recrutées, vous avez celui qui fait le fier et qui en fait a complètement loupé, qui dit « Oh bah ça va, c'était tout simple finalement ». Et en fait, il a complètement loupé et il continue à surjouer derrière. Vous avez celui qui a réussi le test et qui continue à s'avancer. Et là, vous voyez que la personne est en capacité de résister au stress. Mais aussi, vous avez les personnes qui ont loupé le test, qui vous dit « Ah mais là, vous m'avez complètement déstabilisé ». On reprend l'entretien en expliquant pourquoi on a fait cette méthode-là. Et de là, ressort les réelles qualités de la personne. Et là où on a le mieux marché, c'est les personnes qui ont fait ça, parce qu'elles ont été honnêtes, elles nous l'ont dit. On est allé derrière sur un recrutement, une formation à la gestion du stress, puisqu'il fallait savoir résister, et là, ça a marché. Voilà. Donc, l'honnêteté, c'est le plus important. J'avais entendu un cas bon, qui est loin d'être le tien, puisque c'était quand même beaucoup plus dur, je pense, mentalement. On mettait les gens dans une salle d'attente et on les faisait patienter. Mmh. Et donc, ça durait des heures. Et ceux qui restaient, c'est ceux qui étaient pris, c'est ceux qui avaient une, on va dire, une résistance nerveuse au-dessus. Bon, c'était pour un emploi qui nécessitait, comme tu disais, un stress vraiment monumental, donc qui te donnait un stress monumental. Donc du coup, forcément, il fallait tester cette résistance au stress. Alors évidemment, il n'y a pas énormément de métiers quand même rassurant nos auditeurs, oui, qui nécessitent ce genre de recrutement, mais ça arrive, ça peut arriver dans certains domaines. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand, et c'est peut-être la partie qui est stressante aussi du recrutement, c'est quand on vous dit vous venez à un entretien, vous savez pas si vous allez faire un entretien classique, c'est-à-dire juste discuter de vos compétences, expliquer votre parcours et pourquoi vous serez le mieux à même à répondre à ce poste. Mais vous pouvez avoir, comme je vous l'ai dit, des tests, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les entretiens collectifs, c'est-à-dire vous êtes réunis avec plusieurs personnes et on voit comment vous positionnez par rapport au groupe, ce qui est très difficile pour les personnes qui sont très introverties, puisque ils font face à d'autres candidats qui peut-être se sentent plus à l'aise, tout ça et tout, donc c'est très... Tout peut arriver, il faut s'attendre un petit peu à tout. Et c'est pour ça qu'il faut préparer son discours, savoir ce à quoi on ce vers quoi on va. Voilà. Du coup, quelles sont les qualités que le candidat doit impérativement posséder? Est-ce qu'il y a une norme, hein? Est-ce qu'il y a une trame? À part l'honnêteté, je te dirais, il n'y a pas de trame. Parce qu'en fait, ça dépendra vraiment du recruteur final, puisque celui qui cherche quelqu'un qui a le bagou, il va chercher quelqu'un qui a le bagou, hein, pour une partie commerciale, mais il peut avoir une partie commerciale plus intimiste et donc il va chercher quelqu'un qui est plus dans ce genre de choses. Il faut surtout éviter de jouer un rôle. C'est La qualité, quand je te dis c'est l'honnêteté, c'est vraiment le plus important. Parce que tu joues un rôle. Alors peut-être que tu vas tenir ton rôle pendant l'entretien. Peut-être que tu vas aussi le tenir ce rôle pendant la période d'essai, mais tu ne le tiendras pas pendant des années. Et à un moment donné, tu vas te sentir mal. Il va se passer un problème pour toi. Parce que déjà, pour toi, ça peut être des conséquences graves. Et pour ton entreprise, parce que ton entreprise, à un moment donné, l'image que tu as donnée, elle va tomber. Et à ce moment-là, il peut y avoir des conséquences graves pour l'entreprise et pour toi. Donc voilà, le plus important, c'est être honnête. Chers demandeurs d'emploi, donc vous avez bien compris ce que dit Jérôme. Il est très important de ne pas se mettre en danger, en fait, de ne pas se mettre en difficulté déjà, en premier. Déjà, il ne faut jamais se mettre en difficulté, parce que de toute façon,
tôt ou tard, vous aurez, même quelles que soient d'ailleurs vos contraintes personnelles, on a tous des contraintes, mais le but, c'est quand même de pouvoir assurer par la suite. Parce que ça mettra en difficulté, ça vous mettra en difficulté, mais ça mettra aussi en difficulté l'entreprise, et forcément les rapports qu'on aura en interne ne pourront pas être les mêmes. Donc surtout, bien penser à cela. Donc d'après toi, quelle est la bonne méthode pour se préparer à un entretien ? On a vu précédemment qu'il fallait impérativement se préparer à un entretien, mais peut-être tu as une méthode à expliquer. Déjà, faire un petit peu, on parle aussi des speeches, hein, faire déjà s'entraîner à faire sa propre présentation sur au moins 3 à 5 minutes pour expliquer son parcours. D'accord ? Faut pas faire quelque chose de trop long parce que l'idée, c'est quand même que le recruteur vous pose des questions par rapport à ses attentes et pouvoir répondre à ses attentes. Mais quand on dit se préparer, c'est préparer sa présentation parce que le classique, c'est vous venez d'où et qu'est-ce que vous voulez faire ? Ça, c'est, on va dire, c'est le classique. À part nous dire que vous voulez être recruté chez nous, non. Ça, oui, mais on va dire c'est un petit peu la conséquence. Mais savoir d'où vous venez, expliquer votre parcours, se préparer si on a des trous sur son CV. Expliquer qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trous. Ah ben là, j'ai eu une période de chômage, j'ai eu du mal à rebondir, hop, des accidents de la vie, ça existe. Et il faut pas avoir peur de ça. Hein. Se préparer, c'est... on peut faire... face à un miroir pour s'entraîner à parler, peut-être discuter à son compagnon, sa compagne, ses amis qui puissent vous donner des conseils. Et puis si vous avez la chance d'être accompagné par, enfin la chance entre guillemets, hein, d'être accompagné par Pôle emploi ou par une autre type de structure qui peuvent vous accompagner là-dedans, foncez dans ces trucs-là parce qu'ils vous donneront plein de trucs pour vous apprendre à déstresser, apprendre à parler. Tout ça, c'est très, très important. Parce qu'il faut quand même communiquer un petit peu. Hein. Même si on est très introverti, il faut quand même pouvoir sortir des choses. Et aussi préparer aux fameuses qualités défauts, même si c'est une question qui, pour moi, n'a aucune valeur, mais 99% des employeurs le demandent. Donc, au moins préparer ça. Parce que des fois, j'ai entendu des trucs. Alors, je vais faire les petites anecdotes pour détendre un peu l'atmosphère, parce qu'on parle de choses un peu graves, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent écouter, qui doivent chercher un emploi et qui galèrent. J'ai déjà une fois, quand j'ai demandé les qualités et les défauts, que la personne en face de moi me dit « Oh, ben, un défaut, peut-être un peu trop d'apéro. » Et forcément, c'est quelqu'un qu'on ne va pas recruter parce qu'on se demande après est-ce qu'il va être en capacité de tenir son poste le lendemain. Voilà, c'est le genre de choses. Après, il était très spontané. Ah, je ne peux pas cacher son honnêteté derrière. Non. Mais voilà, il faut quand même faire attention à ce que l'on dit. Et puis se préparer, donc aussi avec le fameux dress code, c'est très important. Je vous donnerai une autre anecdote aussi. J'ai reçu pour le poste, ce fameux poste de secrétaire où j'ai eu 200 candidats. J'ai fait une espèce de speed dating. Je pense qu'il y en a une qui pensait que c'était un speed dating pour classique de drague, mais c'était pas du tout le truc, c'était pour de l'emploi, puisqu'elle est venue avec un dos nu intégral jusqu'à l'arrêt des fesses. Alors c'est sûr que nous les hommes, on a trouvé ça super sympa, mais pour le recrutement, c'était pas du tout adapté. Voilà. C'était des petites anecdotes qu'on peut avoir dans les recrutements qui sont rigolos. Si tu devais retenir quelques critères pour le recrutement,
J'imagine que cela dépend des secteurs d'activité, on l'a vu précédemment, mais est-ce qu'il y a des critères qui reviennent quand même sur le devant de la scène au niveau du recrutement ? Alors, je rajouterai à l'honnêteté aussi l'envie d'aller travailler déjà d'une part, parce que j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit bah, « moi je viens parce que c'est un job alimentaire ». Alors déjà, il ne donne pas envie de se faire recruter, cette personne-là. Mais aussi, avoir envie d'aller et de découvrir l'entreprise vers laquelle j'ai postulé. Alors peut-être que ce n'est pas le job ou l'entreprise de ses rêves. Mais parfois, c'est très intéressant. En fait, il faut s'enrichir de différentes expériences pour pouvoir accéder à ses propres rêves. Et se dire... Là, c'est peut-être qu'une étape, mais par contre, je vais la vivre à fond. J'ai postulé pour ce poste de secrétaire, je vais découvrir tout ce qui se passe dans cette entreprise. Je veux tout savoir, je veux tout apprendre. Ça m'intéresse, ça me plaît. Peut-être que le métier en lui-même ne me plaît pas, mais en tout cas, ce que je vais y découvrir, ce qui tourne autour, ça peut être intéressant. Et c'est là où, en fait, l'état d'esprit est très important. Et c'est ce qui fait la différence entre les personnes qui vont évoluer et les personnes qui vont rester au même poste toute leur vie. Il y en a qui ça les intéresse pas. Mais après, ils font très bien leur job. Je dis pas le contraire. Ça les intéresse pas de découvrir d'autres choses. Ils sont bien là où ils sont et ils y restent longtemps. Et t'en as d'autres qui veulent découvrir plein de choses, qui veulent évoluer. Mais pour pouvoir évoluer, il faut d'abord apprendre plein de choses et après on peut passer à l'étape supérieure. Et bien dans le recrutement, c'est la même chose. On commence... Moi, j'ai fait 15 métiers différents. Enfin, je dis 15 métiers. J'étais responsable d'un fast-food où j'ai commencé d'équipier, je suis arrivé jusqu'à manager. Puis après, j'étais un directeur dans un supermarché. J'ai été éducateur spécialisé. Mais avant d'être éducateur spécialisé, j'ai d'abord été accompagnateur social. Je suis parti du bas de l'échelle, je me suis formé et je suis monté. J'étais DRH. J'ai commencé comme stagiaire, j'ai fini DRH. À chaque fois, je suis redescendu pour apprendre. Et comme ça me plaisait et comme je montrais que j'avais de la volonté, les entreprises derrière, elles se sont dit « Ah mais là, on a un potentiel, on a quelqu'un qui est intéressant ». Et on peut monter. Parfois, on peut être recruté comme secrétaire. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a quelques années, il s'est fait recruter pour être manutentionnaire. Aujourd'hui, il va partir à la retraite. Il est directeur général de la même entreprise où il était. Donc, si ça, c'est pas une belle évolution, voilà. Mais il a commencé petit. Donc, il ne faut pas avoir peur de recommencer petit pour pouvoir réévoluer. On a parlé du stress au début de l'interview. Est-ce que vous avez déjà vu un recruteur stressé ? Jérôme, j'ai deux nouvelles questions à te poser. Ah bah bravo. Oui. Nos auditeurs n'attendaient que ça. C'était l'instant un petit peu surprise. Donc, en fait, j'ai une question. Les métiers de demain, est-ce qu'il y a des domaines qui sortent du lot ? Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais répondre à cette question ? Est-ce que tu as des demandes aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des demandes spécifiques pour l'avenir ? Est-ce qu'il y a des demandes qui explosent, etc. Alors, je te dirais, il y a des métiers traditionnels qui évoluent avec leur temps. On prend un cariste. Un cariste, c'est quelqu'un qui va manipuler un chariot élévateur, qui va porter des cartons, qui va porter des caisses. Parce que là, il n'y a pas forcément besoin de... encore qu'il faut avoir le CACES, il faut avoir la capacité de comprendre ce qu'il faut pour avoir le CACES. Hein, c'est comme avoir le permis de conduire, avoir son code, et ainsi de suite. Aujourd'hui, ce qu'on demande à nos amis caristes, c'est de plus en plus avoir une connaissance et des capacités dans le numérique. Pourquoi le numérique ? Puisque maintenant, les entrepôts les plus modernes sont équipés de systèmes avec des flashcodes, avec des tablettes tactiles sur les chariots pour pouvoir ajuster en temps réel les stocks, suivre les commandes, tout ce genre de choses.
c'est des choses qu'on ne demandait pas à l'époque. On demandait des bras. Maintenant, on demande des bras et un cerveau. Donc voilà. On va dire, c'est plus des compétences complémentaires qu'on va rajouter. Si je dois vous donner un autre exemple, c'est dans les métiers, on entend beaucoup parler de ces fameux drones. Un drone aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire télépilote de drone par exemple, ne sera jamais recruté comme télépilote de drone. Il faut avoir une compétence métier et on va se rajouter la compétence drone qui va nous donner un outil complémentaire à son métier. Par exemple, un diagnostiqueur immobilier, celui qui fait, vous savez, c'est quand il y a, est-ce qu'il y a de la perte de la chaleur, ce genre de choses, il a sa compétence de diagnostiqueur immobilier, mais s'il veut faire des immeubles de façon le plus facilement avec un drone, et ben voilà, il s'est rajouté la compétence drone supplémentaire. En gros, de nos jours, on cherche des gens qui sont le plus polyvalents possible, avec une compétence première, celle de son métier. Donc, les métiers traditionnels vont toujours exister, mais en plus, il y aura la partie technologie qui vient se rajouter. Même si, heureusement pour nous, travailleurs lambda, mais grâce à vous, les gars de l'informatique, qui arrivez à développer des choses qui sont très intuitives, mais il n'empêche qu'il va falloir quand même ce truc intuitif, il ne faut pas avoir peur d'appuyer sur un bouton. Donc, nous en venons au deuxième point. Si tu devais recommander une plateforme en particulier, je sais qu'il existe énormément de plateformes de recrutement, est-ce qu'il y en a une qui sort du lot un petit peu pour toi ? Pour moi, il y en a deux. La première, c'est déjà Pôle emploi, parce que elle ne regroupe pas seulement les offres de Pôle emploi. Il me semble qu'ils ont 136 partenaires qui sont référencés, et donc quand vous tapez le titre de poste et le lieu où vous souhaitez travailler, vous avez les offres de Pôle emploi plus celles des 136 partenaires. Donc, c'est quand même très large. Et ensuite, le deuxième qui fait le même principe, c'est Indeed. Indeed, c'est un site qui va regrouper d'autres sites, tous ces sites-là, monster.fr aussi. Voilà, tous ces sites-là sont intéressants parce que ça va vous faire des liens avec d'autres sites. Et donc, ça, c'est là où vous avez plus de chances de trouver une offre d'emploi qui correspond à ce que vous cherchez. Si tu devais donner un conseil aux demandeurs d'emploi, quel serait-il aujourd'hui ? Soyez clair sur vos projets. Ne faites pas du copier-coller dans vos offres, dans vos lettres de candidature. Essayez de vous renseigner sur les entreprises pour pouvoir y inscrire dedans les valeurs de l'entreprise. Lisez bien les offres d'emploi. Dans les offres d'emploi, il y a toutes les compétences qui sont demandées et c'est le minimum demandé. Et faites en sorte que sur vos CV ou sur votre lettre de motivation, il y ait l'ensemble des compétences qui sont demandées sur l'offre d'emploi. Et si vous ne l'avez pas, ne pas hésiter à dire dans la lettre de candidature, mais je suis en capacité d'apprendre tel domaine qui me manque, si vous m'en donnez la chance. Ne pas hésiter à faire ça. Merci Jérôme. Donc si je devais retenir trois termes, je dirais que c'est veille, préparation, authenticité. Voilà. Retenez ces trois termes et utilisez-les à bon escient de façon à être recruté. Dédramatisez la chose, pas de stress, quelle que soit la situation, ça ne change strictement rien. Vous avez en face de vous, n'oubliez jamais, des êtres humains qui ont leurs faiblesses, leurs forces, comme vous, qui ont un besoin, qui certains, comme Jérôme, œuvrent pour d'autres entreprises.